Coucou et re-coucou tout le monde. Et oui, c'est encore moi. Comme je vous le disais, on se retrouvera. J'ai compris, quoi. Alors, on se retrouvera pour ouvrir donc deux colis qui me restent encore à ouvrir. Sans compter que je suis allée en chercher un autre au relais colis tout à l'heure. C'est de comment qu'elle s'appelle? Je ne sais plus. Tout à l'heure, j'ai dit ouais, il y a deux Brigitte à ouvrir, pas du tout, hein. Non, il n'y a pas deux Brigitte à ouvrir, il n'y en a qu'une. On va l'opérer. Et là, le colis, il est arrivé. C'est le colis de Isabelle. Isabelle a les yeux bleus, Isabella. C'est une dégaine. Voilà, donc du coup, mais je pense qu'il faut pas. Ben, je sais pas, je crois que je peux pas l'ouvrir maintenant. Je crois que c'est le. Je ne sais pas, je ne sais plus, je ne sais plus. Je sais pas qui m'a envoyé. J'ai eu un message en me disant que vous voulez m'envoyer un colis. J'ai dit non, m'envoyez plus rien, non, j'ai pas de place. Ah, c'est pas ça. Et alors, elle m'a dit ouais, mais là, c'est le nouvel agenda du mois de septembre. Ah, mais je dis ben là, c'est différent, j'en ai besoin, si j'en ai besoin, hein. Alors là c'est ok. Et alors et tout le reste c'est ok aussi bien sûr. C'est juste pour vous dire que j'ai dit n'importe quoi. Donc là c'est Isabelle. Et là il y a un colis de Brigitte et un autre colis de Delphine. Voilà, il n'y a pas deux Brigitte, il n'y en a qu'une. C'est la une. Voilà. Alors donc je vais commencer donc par le colis. Pourquoi par le colis? Parce que pourquoi pas, hein, moi aussi. Alors, elle est magnifique l'image, elle est tournesol sublime sur le carton. Regardez-moi ça, cette image. Regardez-moi ça, cette image. Elle est trop belle, j'adore, j'adore, j'adore. Il est possible que je la récupère comme ceci. J'ai tout à fait le droit, hein, je fais tout ce que je veux. Hein. Et donc, c'est possible que je la récupère comme ceci hein, pour faire une jolie carte. En plus, c'est écrit en une langue que je ne connais pas. Non, je ne connais pas et justement, c'est très bien. Et donc, pour ce faire, c'est donc bien Brigitte. Hein. Alors, j'ai un doute, ça se trouve, c'est là le nouvel machin, je ne sais pas, on verra. Si c'est le nouvel machin, on l'ouvrira pas tout de suite, et puis c'est tout, on mettra de côté, et puis on gardera la surprise. Je sais pis. J'arrive plus à parler. Non, j'arrive plus à parler, je suis trop émotionnée. Comment on ouvre? Bah, j'en sais rien. Non, je ne sais pas, je ne sais rien, de toute façon. Je ne sais pas comment ça s'ouvre. Hein. Je touche le fond. Ah, je ne sais pas, je suis très embêtée. Très embêtée. Hein. Je ne sais pas, c'est un carton qui ne s'ouvre pas. Non, il ne s'ouvre pas, il ne s'ouvre pas. Hein. Comment je vais faire? Comment je vais faire? Je sais pas, qu'est-ce que vous avez fait de votre journée, vous? J'ai travaillé, bien sûr, moi, jusqu'à une certaine heure, et puis après, j'ai arrêté de travailler. Après, j'ai arrêté de travailler. C'est quoi tout ça? Je crois bien que c'est l'agenda. Je me suis trompée. Ouais, bah tant pis, on regarde, on ouvre tout, sauf. Sauf l'agenda, qu'est-ce que vous en pensez? C'est une bonne idée? Vous dites que c'est une bonne idée? Non, j'ai un doute, je sais plus. Oh, tout ce qu'il y a là-dedans. En tout cas, je sais pas, mais il y a. Oh là là, oh là là, oh là là, oh là là. Je touche le fond, hein. Si je touche le fond. Qu'est-ce que c'est que tout ça? C'est une folle. Si c'est une folle. Oh là, tout ce qu'il y a. Je sors tout parce que j'ai pas réussi à l'ouvrir comme il fallait, bien sûr. Hein. Je regarde. Alors, donc j'ai pas réussi, j'ai pas réussi. Ça, c'est l'adresse. C'est le nom, je veux dire. Donc je le remets dans le carton parce que j'étais obligée de décoller. Enfin, vous avez compris? Non, c'est normal. Il n'y a rien à comprendre. Donc je vais mettre ça là et je remettrai au fur et à mesure dans le carton. C'est trop picot. Ah, ça c'est du ça c'est bien comme ça je vais m'en servir pour faire mes cartons pour emballer les choses fragiles. Je garde tout, vous savez. Donc voilà, ah, ça c'est quoi? Oh là là, non mais c'est une folle, hein. Si, c'est une folle. Oh là là. Alors pour ce faire, donc là je vais pouvoir l'ouvrir aussi. Alors, okay, bah, je vais tout ouvrir, hein, de toute façon. Si, je vais tout ouvrir finalement. Oh, c'est joli ça. Oh là là. C'est trop beau. Je pourrais les remettre dans les. Je vais les remettre. Je vais bien les remballer. C'est trop joli. Regardez-moi ça si c'est beau. Oh là 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 là. C'est trop beau. Regardez-moi ça si c'est beau. C'est trop beau. C'est un petit album, non? C'est quoi? Oh, c'est joli. Oh, c'est un truc pour mettre les. Mais t'es folle. Oh là là. Oh, c'est trop joli, hein. Alors, attendez, je vais. Attendez, parce que je suis pas bien. Hein, hein, je suis. C'est pas bien ce que je fais là. Non, c'est mal. C'est moche. Je cadre mal, je machine mal. C'est trop beau. Il y a un truc pour mettre. Un truc pour mettre. Elle m'a fait plein de choses. Oh là, t'es folle. Il y en a plein là-dedans, des trucs, des machins, des bidules. Oh, tout ce qu'il y a. Des découpes de nœuds et tout, ils sont sublimes en plus. J'adore ces petits nœuds, elles sont trop mignons. Des petites découpes de nœuds. Non, pas des têtes de nœuds, hein, des découpes de nœuds. Des petites enveloppes, des petits bébés enveloppes.
garder les bébés enveloppes. Hein. C'était tout mignon. Alors, comment je vais faire hein? Oh, alors, et puis, oh, c'est super. Hein? Oh là là. Bon, c'est trop bien, trop bien, trop bien. Hein? Les mauves, des oranges. C'est joli, hein? Ça va bien ensemble. Ça, tiens, pour Halloween, c'est super, ça. Les couleurs d'Halloween, hein? Enfin, d'automne et d'Halloween. Hein? Pour faire des petits albums comme ça, Halloween. Hein? Si? Avec des petites araignées dedans, on est content, content. Hein? Cette nuit, j'ai rêvé. Bah, si, c'est parce que je parle d'Halloween. J'ai le droit, c'est le courrier. Cette nuit, j'ai rêvé que j'écrabouillais une araignée. Mais je l'écrabouillais comme ça, je tapais. En fait, elle est passée devant Roubouille, l'araignée. L'araignée. Elle est passée devant Roubouille et puis Roubouille, il l'a loupée. Et alors, moi, je l'ai chopée et paf, je l'ai écrasée. Avec la main directe, comme ça. Je fais jamais ça de la vie. Hein. Jamais de la vie, jamais, jamais je fais ça. Mais dans mon rêve, j'ai fait ça. Puis je l'ai tapée. Puis une grosse araignée, je sais pas comment vous dire, il n'y a pas de jus qui est sorti. C'est horrible. Jamais de la vie, je ferais ça. Dans la vraie vie, je ferais jamais ça. Crabouiller une araignée à la main, comme ça, directement sur le. Jamais de la vie. Et alors, donc, c'était horrible, horrible, horrible. Hein. J'ai très peur des araignées, moi. Vous le savez, non? Allez, moi, j'aime pas les 8 pattes hein, et les 8 yeux. Je sais pas combien de yeux ils ont. Hein. Ils ont trop de yeux, trop de pattes, trop de tout. Hein. Et alors, une araignée qui accouche, vous avez déjà assisté à un accouchement d'araignée? C'est terrible, hein. Il y a plein, plein, plein de petites araignées partout, 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 partout. Ça grouille, ça grouille, ça grouille, ça grouille. C'est horrible. C'est affreux, hein. Oh! Alors moi qui ai peur d'une seule araignée, quand il y a un accouchement d'araignée, alors là, c'est même pas la peine, c'est des cauchemars. Hein. C'est cauchemar, cauchemar. Hein. Spider cauchemar, c'est horrible. Oui, c'est horrible. Alors là, c'est plein de petites découpes de cœur en dentelle. Je vais pas. Hein. Elle a mis des petits onglets comme ça, tout mignon, mignon, hein. Il est chouette, hein, son petit truc, hein, son petit. Trop mignon. Là, elle m'a mis plein de découpes aussi de tags, de cœurs, de. Oh, ah non, c'est des petits tags. Oh, c'est trop bien. Il a des petites enveloppes avec. Qu'est-ce qu'elle a mis dedans? Des tags. Je crois que c'est des tags, hein, de toutes sortes, de toutes sortes. Je peux pas tout vous montrer en détail, hein. Bah non, non, c'est impossible, hein. C'est trop, trop sympa, hein, c'est trop bien. Hein. Et là, c'est des flèches, non? Oh, c'est super, ça aussi. C'est trop bien. Des petites flèches, hein. Pour montrer par où qu'il faut aller, hein, si. Des petits tags, et alors avec des petits. Oh là là, c'était tout mignon. Il y a même le petit. C'est trop charmant, hein. Oh, ça fait joli sur le verre, regardez. C'est très beau. Donc voilà, il y a tout plein, tout plein, tout plein de découpes. Tout plein de découpes. Et là, qu'est-ce qu'elle m'a mis? Qu'est-ce qu'elle a mis? Petit, tout petit, tout riquiqui, marque-page. Ah oui, c'est des petits marque-pages. C'est mignon, elle a mis petit, tout petit, tout riquiqui. C'était tout mignon. Et c'était tout mignon, hein. Ouais, hein, voilà. On peut le faire avec n'importe quel. Voilà, vous mettez. Bah, vous savez, c'est un marque-page. Vous mettez ça entre les pages, dans le livre, quoi. J'ai rien. C'est ça. Vous avez compris, quoi. C'est un marque-page. Et alors, donc là, c'est quoi? C'est des petites fleurs. Ah, oh, c'est des fleurs de lotus. Vous savez, la fleur de lotus, c'est symbolique, hein. Une fleur de lotus pousse dans la boue. Hein. C'est très très philosophique tout ça. Hein. Très très philosophique. Et moi j'aime beaucoup aussi la fleur de lotus. Hein. Très très bien. Évidemment, hein, moi j'aime bien, j'aime beaucoup. Et là, on a des fenêtres. Hein. Oui. On a fermé les volets et ne plus changer l'eau des fleurs. C'est Laszlo, non, qui chante, comment elle s'appelle? Je sais plus. Fermez les volets et ne plus changer l'eau des fleurs. Elle a laissé l'eau croupir et mourir dans un dernier soupir. C'est très joli, hein, les persiennes. C'est très beau, hein. Et alors, c'est très beau, c'est très beau. Ah, ça, c'est des rouages, hein, pour faire du steampunk. Je crois que j'en ai jamais fait avec vous. Avec des petites ampoules comme ça et tout ça, c'est super aussi. Oh là, toutes les découpes. Quel travail, quel travail. Oh, je sais ce que ça représente, hein. Oh là là. Oh là là, donc il y a plein, plein, plein de fenêtres, pour faire une petite carte comme ça, style steampunk, c'est sympa aussi. Hein. Vintage, quoi. Elle doit aimer le vintage. À mon avis, elle aime le vintage. Et là, c'est quoi? On est à. Oh, ça va, hein, on est bien, tata. Et là, c'est quoi? C'est des sentiments bonjour. Hein. Eh, bonjour. Bonjour, bonjour. Bonjour, bonjour. Bonjour, bonjour, bonjour. Je me suis l'ordinateur dans la tête. Il est l'heure de se lever, encore une belle journée, et il va bientôt arriver, l'ami Ricoré.
Il vient toujours au bon moment avec ses pains et ses croissants. L'ami du petit déjeuner, l'ami Ricoré. Et là, c'est quoi comme sentiment? Handmade, fait maison. Enfin, fait main, je veux dire, pardon. C'est ça. Et alors, c'est très joli, hein. Et là, oh là, il y a plein de fleurs, des trucs roses, mauves, roses. Ouais, bon. Non, tout à l'heure, hein, on avait compris, quoi. Je dis n'importe quoi, comme d'habitude. Des petits napperons comme ceci, comme cela, hein. Ça va être très bien ensemble, hein. C'est très beau. Et alors, tout plein de choses, tout plein, des petits napperons, des machins. C'est joli, ça aussi, tiens. Très beau. On en faisait ça, vous savez, avec un appareil, c'était un pied. Comment ça s'appelait l'appareil qui fait ça là? Mais tiens, voilà. J'en ai jamais eu, moi, mais j'ai vu ça en publicité pour Noël, quand c'est le moment des jouets là, à partir de septembre. Là, je sais pas s'ils vont en passer des pubs pour les trucs de... là, ça s'appelle un truc là, on met un crayon et puis on tourne, et puis ça fait des dessins comme ça, hein. Ça fait des n'importe quoi, mais ça fait joli au final, vous voyez? Donc voilà, ça s'appelle un bon, machin graphe là, je sais pas quoi. Et là, des beaux sentiments là, smile là. Il y a plein de trucs, quoi. Des bulles, des cadres. Oh là. Ouais, vous avez compris, quoi. Il y a plein de découpes. C'est super, super. Alors, on fera des belles créations. Il est trop beau, ton petit Guibrit. Et là, elle a mis un petit papillon avec des. Elle a fait un petit papillon avec des. Comment? Des diamond painting. C'est joli, hein? Ah, ou alors elle a. Ah non, c'est un sticker. Enfin, je sais pas comment elle a fait. Enfin, moi, ouais, c'est un petit papillon en diamond painting, quoi. Il est très joli, hein. Ouais, c'est super sympa. Donc, je le remballerai bien comme il faut pour pas l'abîmer, déjà, pour commencer. Hein. Voilà. Avec tout ce que vous m'envoyez, eh bien, je peux emballer tout mes choses. J'aurai toujours de quoi scraper jusqu'au 1er décembre. Hein. C'est pas le problème. Hein. Si? Une jolie serviette sur le thème de l'automne, tiens, justement. Hein, avec des jolies fleurs, là, comme on vient de parler, là, un peu. Hein. Je peux en partager, j'ai le droit, hein, je suis sûre. Ça, c'est en 100%. C'est pareil, elle l'a fait elle-même. C'est un petit calepin avec une patouille, comme ça. Une petite patouille. Hein. Ah non, c'est n'importe quoi. C'est pas du tout ça. Hein. Regardez, c'est un petit carnet avec des bases d'ATC. Mais c'est. Enfin, je crois. Hein. Ah non, ah si. Ah non, ah si, ah oui, ah non. C'est des pa... Oh, elles sont belles, tes bases d'ATC. Oh, c'est joli. Je sais pas avec quoi elle a fait ça. Regardez, elles sont trop belles. C'est super, ça. Il y a de la paillette. Il y a de la pâte de texture ou du gesso. Je ne sais pas. Hein. Il y a plein de choses. Et alors, elle a fait des coins comme ça avec son... Vous savez, on peut... Enfin, vous le savez, quoi. On peut couper... C'est chouette, hein. C'est très beau. Ouais, c'est de la... Elle est très belle ta collection de ta base. Je ferai une série, j'y rajouterai quelque chose et puis je partagerai. Hein? Je ferai ça. J'adore, j'adore, j'adore. Super, super. Hein? Vraiment très beau. Elle fait de la concurrence à. Elle fait de la concurrence. Pas de la concurrence, mais comment qu'on peut dire? Comment qu'on dit? Si, on peut dire comme ça, non? Je sais pas. À Jenny, non? Pascal? Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Ce sont des artistes. Oh là 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 là. Oh là. C'est vraiment des artistes. Hein. Vous êtes vraiment. Vous êtes trop trop magnifique. Vous êtes trop merveilleuse. Hein. C'est trop beau. Hein. Oh, c'est trop bien. Mais c'est trop bien ce qu'elle a fait. Je vais les partager. Hein. Je les partagerai. Regardez ce qu'elle fait avec. Alors, c'est des tamponnages. Alors, c'est des tamponnages, j'imagine. Donc, regardez, avec la maison et tout ça, le paysage là. Vous voyez? Regardez. Ça, c'est des tamponnages que je mettrai en partage. Hein, regardez. C'est super, hein. Si c'est super, vous allez pouvoir comprendre pourquoi c'est super. Ça, c'est quoi? C'est la mer, non? Non, non, c'est un chemin. Oh là, la fille qui voit rien du tout. Non, je vois rien, c'est de pire en pire. Et là, c'est des jolies fleurs, une jolie fleur. Et puis là, des fleurs aussi, des pots, des machins. Hein. Et là, attendez, je vois encore un autre. Attendez, parce que j'ai les mains crochues, hein. C'est des oignons, enfin des oignons, des jacinthes. Ah non, c'est un. Oh, j'adore cette fleur-là, c'est une amaryllis. C'est une amaryllis, c'est beau ça au moment de Noël. Hein. C'est trop beau l'amaryllis. J'adore, j'adore, j'adore. C'est trop joli. Donc je partagerai bien sûr parce qu'elle a mis ça dans le but que je partage. Mais alors regardez ce qu'elle fait avec ces paysages-là. C'est trop joli. Elle l'a colorisé son tamponnage et elle l'a fait une fenêtre avec des bambous, des petites baguettes là pour faire une fenêtre et des rideaux et tout le bastringue. C'est super chouette hein, ce qu'elle a fait. Hein. C'est trop, trop joli. Hein. Trop, trop beau.
C'est une très belle idée, ça fait une très très jolie carte. Donc je mettrai en partage tous les tampons. Hein. Je vais faire ça tout à l'heure ou si je la mets que demain la vidéo, parce que si faut que je scanne tout, je mettrai la vidéo que demain. Hein. D'accord? De toute façon, vous en avez assez. Là. Vous en avez une d'une heure. Hein. Si, vous en avez une d'une heure. Alors celle-ci, ce sera pour demain. Hein. Voilà. On dit que. Je sais pas ce qu'il y a demain. Qu'est-ce que je vais vous raconter demain? Qu'est-ce que je vais vous raconter? N'importe quoi. Hein. C'est pas ça que je veux dire. C'est que je. C'est quoi ça? Oh, il y a trop de choses. Hein. Tiens, c'est trop. Hein. Trop, c'est trop. Hein. Quand c'est trop picot. C'est quoi ça? Oh, c'est des anneaux pour faire des albums. Mais c'est vachement bien. Puis il y en a des vintage là. Ah, c'est chouette. Hein. J'en avais pas. J'ai rien. Oh, ils sont trop bien pour faire des petits albums. Ah, c'est bien ça. Ou des boucles d'oreilles. Hein. Je voudrais me faire des boucles d'oreilles. Hein. Non, je déconne. C'est vachement bien. J'en avais pas. Ça tombe très bien. Alors, j'en avais acheté. Alors, c'est pareil. Hein. J'en avais acheté. Je n'utilise pas. Je ne sais pas si vous en avez acheté aussi. C'est vraiment. Ça va, ça vaut rien. Hein. Ça, sur AliExpress, là. Des en plastique. Alors, les couleurs, quand elles arrivent. Oh non, mon Dieu. Quand vous les voyez pour les commander, les couleurs, elles sont, c'est des couleurs, des jolies couleurs, machin, des couleurs qu'on aime. Et quand ça arrive, enfin moi je sais pas vous, hein, mais moi quand c'est arrivé, les couleurs jaune fluo, rose, vert fluo, bleu moche, enfin que des couleurs horribles. Enfin, je sais pas quoi, enfin je sais pas quoi en foutre. Je m'en servirai, hein. Mais c'est en plastique en plus. Alors en plastique c'est très bien, moi je trouvais que c'était bien, mais alors les couleurs. Ouais. Pour utiliser ça, je vous dis même pas comment que c'est trop difficile. Enfin, c'est faisable, mais voilà quoi. Donc voilà quoi. Et puis voilà. Puis ils sont là. Puis alors vous avez quasiment toutes les mêmes couleurs. Enfin, je veux dire, quand ils vous montrent le machin sur la photo, vous avez des couleurs qui vous plaisent. Et puis quand ça arrive, c'est pas du tout ça. Hein. Enfin, moi c'est mon expérience, c'est toujours pareil. Hein. Voilà. Bon, alors je m'en servirai, mais dans des albums printaniers ou un petit peu Pâques ou choses comme ça, parce que je vous dis, c'est des verts fluo, jaunes, orange. Oh alors les couleurs. Mais orange, les années 90, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Fluo, quoi. Vous avez compris, quoi. Alors ça, c'est l'étiquette, c'est au cas où ça se perde, on l'ouvre et puis c'est dedans, quoi. Hop là. Alors, hop là, oui, alors je suis quasiment sûre que c'est le colis que j'aurais dû ouvrir que le 1er septembre, je suis quasiment sûre, mais ben, tant pis, c'est pas grave, je n'ouvrirai pas, je vais le laisser en surprise, regardez-moi ça, ça c'est super beau aussi, hein, elle a fait, alors attendez, elle a fait une carte avec vous savez, du faux mur, regardez comment c'est trop beau, c'est trop joli son faux mur, les couleurs qu'elle a utilisées, tout ça, on dirait vraiment, c'est réel quoi. Et puis les fleurs qui poussent sur le mur comme ça, c'est vraiment en plus, c'est vraiment comme ça. Hein. Sur les murs, quand je me promène, on voit des fleurs, des coquelicots. D'un seul coup, vous avez un coquelicot là, sur le mur. Vous avez un coquelicot, vous avez un. C'est ça qui est incroyable, mais vrai. Les fleurs, des fois, vous leur mettez de la belle terre, des beaux machins, vous les arrosez, machin, tout ça, ça pousse pas et pourrissent même. Et puis dans la nature, elles poussent comme ça, sans terre, sans rien quasiment. Et ça, on dirait une fleur de. Bon, c'est une marguerite, je suppose que ça représente une marguerite, mais on dirait, vous savez, les fleurs de la montagne, là. Les fleurs de la montagne. Les Edelweiss. C'est rare, les Edelweiss, ça, maintenant. Hein. On n'en trouve plus. Regardez, c'est joli, hein, même à l'intérieur. Elle a tout bien, tout joliment décoré. Je vais dire mon petit mot. Bah oui, c'est l'agenda pour le mois de septembre. Hein. Oh non, non. Oui, bien sûr, je t'ai promis, je ne spoilerai pas les prochaines pages. Donc, c'est bien ça. Donc, je vais le garder précieusement emballé. Je ne vais pas l'ouvrir. Hein, vous avez compris que ce sera pour. Hein, on le découvrira ensemble. J'avais un doute parce que, comme je suis allée chercher un colis aujourd'hui, je me suis dit, ben non, c'est ça et tout. Je ne me rappelais plus. Je suis désolée parce que, en fait, j'ai une mémoire de poisson rouge. C'est une catastrophe. Donc, c'est Guibrit HHH221 qui m'a fait l'agenda pour le mois de septembre. Alors, évidemment, on a hâte de découvrir ce qu'elle a fait parce que je suis sûre que c'est ben, c'est magnifique aussi. Hein. Parce que vous vous donnez toutes du mal hein, et vous faites toutes des choses. Franchement, c'est trop gentil. Je dis, je répète, hein, mais c'est pas pour vous. C'est pas pour vous.
C'est la vérité, hein. C'est trop joli, hein. Vous êtes trop gentil, quoi. C'est trop, quoi. Alors là, c'est marrant, ça, ce que c'est, ça. C'est de la fausse chêne en plastique ou je sais pas quoi, là. C'est trop joli. Donc elle a fait des feuilles, des fleurs, je sais pas quoi. Enfin, sûrement un pochoir. Et elle a, c'est de la pâte de texture, hein. Et c'est très beau, hein. C'est très très beau. Voilà. Ça, je pourrais partager, par exemple, pour montrer ton talent à certaines autres. J'aime bien partager, moi. Ah bah tiens, ça, c'est la page qui est sur le carton que je veux arracher. J'ai le droit. Ah, c'est autocollant en plus, mais t'es merveilleuse. Ouais, mais ça, tu sais, mais ça, je vais les garder, mais je vais les encadrer, en fait. Oh, celle-là, elle est trop belle. Ça, je les garde. Hein. Je les garde. Je vais les... Regardez celle-là, comme elle est trop belle. Ah, elle est magnifique, magnifique, magnifique. J'adore, mais j'adore. C'est trop beau. Je vais les encadrer en fait. Je me ferai des petits cadres. Ah ben si, je me ferai des jolis petits cadres pour décorer dans ma future maison. J'ai le droit, hein? Donc là, je ne montre rien. Je suppose que c'est ça. J'en sais. Oui, ça doit être ça. Donc je n'ouvre pas. On va pas tricher. Vous voyez, il y a marqué septembre. Donc on le laisse comme ça. Et je l'ouvrirai au 1er septembre. Je vais le mettre en dessous celui de Cricri. Hop là! Hein? Et comme ça, il nous restera des choses à découvrir. Parce que j'ai ouvert alors qu'il fallait pas. Enfin, vous avez compris, quoi. Ben non, je suis trop nulle. Regardez. C'est trop beau. C'est une série d'ATC. C'est joli. C'est joli ce qu'elle a fait. Ah, tiens, il faut que j'en fasse ça d'un BC. Je ne sais plus pour qui encore. J'ai du retard dans les réponses encore et toujours, comme d'habitude. Et là, 1, 2, 3. Elle a fait une série. Ah, ben tiens, les numéros. Ah, ben donc, avec les autres, je vais faire une série moi aussi. Je vais continuer les numéros. J'ai le droit, moi aussi je vais faire les numéros. J'ai le droit. Hein. 1, 2, 3, on ira au bois. Hein. Vous savez, 4, 5, 6, cueillir des cerises. Hein. 7, 8, 9 dans mon panier 9. Hein. Et alors je ferai ça sur le thème des numéros avec tes ATC que tu m'as envoyés. Et avec la comptine, 1, 2, 3, j'irai au bois. 4, 5, 6, cueillir des cerises, etc. Ouais. Mais alors qu'est-ce que je vais mettre? Parce que 6, des cerises, mais 4, 5, je vais mettre quoi dessus? Je sais pas. C'est pas, c'est encore une idée. À la mort, moi le nœud. Si, c'est encore une idée à la mort moelle-neuve. Donc bon, c'est les bases d'ATC que vous avez vues à l'instant. Elle a fait une série de numéros. Et elle a fait 1, 2, 3, on ira au bois. Voici. 1, 2, 3. Ils sont jolis tes numéros argentés, hein? Miroir. On se voit dedans? Non, ben, on ne se voit pas dedans. Hein? Bon, vaut mieux pas. Hein? Et là, donc, c'est un ABC. Hein? Je t'enverrai un DEF. Ah si. Regardez, c'est le champignon vénéneux. C'est le champignon de la forêt d'Engie, hein? De la sorcière. Hein? Donc le timbre, ben, je mettrai. On reçut le, on est le combien aujourd'hui? On est le 25, c'est ça? J'écris en mauve, hein, reçu le 25 août 2023, hein, voilà. Je vais mettre un timbre, j'ai le droit de mettre le timbre de mes rêves, hein, je fais ce que je veux, de toute façon c'est à moi, hein, tu sais? Je vais mettre un timbre avec des marguerites, un papillon et un cœur. Regarde, il est beau mon timbre. Hein. Tu dis qu'il est beau, hein, ça me fera plaisir. Hein. Si. Alors, donc, voilà. C'est trop mignon. Ah, bah tiens, c'est marqué là en plus. 1, 2, 3, nous irons au bois. Ah, mais c'est trop bien. On ira au bois. J'avais pas vu, je te promets que j'avais pas vu. Et là, qu'est-ce que c'est? C'est beau, hein? Oh là là. Oh, c'est trop bien. Il y a des embellissements en bois, hein? Et là, elle a mis des petits stickers. Oh, des libellules. Oh, c'est trop joli. Des stickers. Je ne vous montre pas tout, c'est hors de question. Hein, non. Si, je vous montre. C'est des jolies libellules. Hein. Regardez. Vous savez que. Si, j'ai le droit de le dire. C'est pour ceux qui croient aux mêmes choses que moi. Ceux qui ne croient pas, vous avez le droit de ne pas croire. Hein. Vous faites ce que vous voulez. Chacun fait ce qu'il veut et pense ce qu'il veut, surtout dans la vie. Hein. Si. Mais vous savez, par exemple, là, elle m'a envoyé des libellules. Vous savez que si, quand vous vous promenez, c'est un peu comme les plumes. Mais il faut pas, évidemment, si vous tombez, vous êtes sous un nid, il y a des plumes. Bon, bah, c'est un peu logique. Moi, je parle des endroits complètement insolites où c'est impossible de trouver cette chose-là. Hein. Je sais pas, vous allez vous coucher, vous avez une plume sur votre lit. Oui, par exemple. À moins que vous ayez un oreiller à plumes ou un édredon à plumes, c'est autre chose. Ce que je voulais dire, c'est que vous promenez en ville et il y a une libellule qui vient proche de vous. C'est votre ange gardien. C'est votre ange gardien.
Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. C'est parce qu'elle m'a envoyé des libellules et voilà quoi. Souvent, votre ange gardien, il vous parle à travers d'autres gens aussi, hein. Il passe par d'autres gens pour vous envoyer des messages. Enfin, c'est ce que je crois, moi. Après, oui, évidemment, je vous ai dit ça. Alors, si vous m'envoyez des libellules, après, je vais dire, moi, bon, elle m'a envoyé des libellules parce que je lui ai dit que c'était. Regardez, elle m'a envoyé des numéros en plus. 1, 2, 3, hein, 4, 5, 6 et 7, 8, 9. De toute façon, elle avait tout prévu. Hein. Elle a tout prévu. Elle a tout prévu. Hein. On a le droit de s'amuser. Hein. Donc, voilà, voilà. Mais voyez, là, c'était pas prévu. Je m'attendais pas. Je m'attendais pas. Donc, vous avez compris quoi, c'est. Il faut toujours se raccrocher à quelque chose. Enfin, moi, je me raccroche toujours à quelque chose pour. Bah, sinon, après, on n'a pas de raison de. Hein? Ouais, je sais pas. Enfin, bref. Je dis n'importe quoi là. Ouais, je suis en train de délirer. Non, je dis pas n'importe quoi par contre. Hein. Non, non. Enfin, moi, j'y crois. Hein. Moi, je trouve que ça m'aide. Hein. Après, voilà. Alors ensuite, hein, nous avons. Oh là, c'est trop joli. Merci. C'est trop beau. C'est trop, trop joli. Hein. Les papillons, c'est pareil, c'est symbole. Qu'est-ce qu'elle a fait? Oh là, c'est joli ce qu'elle a fait. Cette... Oh! Chocolat, j'ai bien fait de l'ouvrir. Hein. Mais si, hein, j'ai bien fait de l'ouvrir. Ils auraient eu trop chaud. Ce soir, je me tape des chocolats. Ah si, ce soir, je me tape des chocolats avec une tisane. Ah si. Alors c'est des oh, orange bergamote. Oh, ça doit être trop bon. Ce soir, je fais ça. Je le vide. J'ai le droit de le vider. Hein. Si. Oh, mais c'est Alice. Oh, c'était tout mignon. C'est Alice. Oh, c'est charmant. Il est beau ton papier. Hein. Il est trop joli. Regardez comme c'est mignon. Comme ce qu'elle a fait, c'est trop beau ce qu'elle a fait. Hein. Une petite pochette comme ça pour mettre deux petits sachets de thé. Hein, ils y sont plus, il n'y en a plus. Non, c'était fini. Hein. C'était drink me hein, et eat me. Hein. Si, hein, bois-moi et mange-moi. Et... Mangez-moi, mangez-moi, mangez-moi. Hein. C'est super joli. Hein. J'adore, j'adore. On pourrait faire le tuto de. Je ne sais pas où elle a fait. Bah, elle n'a peut-être pas eu besoin de tuto hein, parce qu'elle a de l'expérience, donc elle l'a peut-être fait elle-même. Mais on pourrait faire ça pour Noël. Là. C'est Noël qui arrive. Hein. Pour, si c'est Noël bientôt, hein, c'est demain Noël. On pourrait se faire ça pour. Il est déjà l'heure, il est déjà cette heure-là. Oh la vache, j'en reviens pas, ça passe trop vite le temps, ça passe trop vite. Et donc des petits chocolats comme ça pour offrir des petits chocolats et tout ça pour Noël. Hein, on fera le tuto. Hein, tu me donnes l'autorisation. De toute façon, je prends le droit. Hein. J'ai le droit, hein, mais dis donc, je trouve ton idée géniale. J'adore, j'adore. Hein. Et puis je suis sûre que mes petites abonnées, hein, les copines, elles veulent faire ça aussi. Hein. C'est trop mignon. Je vais le mettre de côté. On fera le tuto. Si, on fera le tuto. Et les chocolats, par contre, je vais me les becter. Hein, dès ce soir. Hein. Sinon, ils vont fondre. Si, ils vont fondre. Hein, ça serait dommage. Hein. Heureusement que je n'ai pas attendu. Hein, parce qu'on n'est que le 25. Vous imaginez, attendre le 1er septembre, c'est trop loin. Alors, et ça, c'est quoi encore? Elle est folle. C'est une folle. Hein. C'est une folle. Mais c'est une folle. Oh, c'est joli. Oh, c'est trop beau. Mais c'est beau. Hein. Oh, alors, elle m'a mis un stylo bleu hein, pour écrire. Hein. C'est quoi qu'il y a dedans? Il est caché? Oh, mais c'est trop malin, ça! Ah, mais attends, j'ai le droit. Hein. Oh, pour mettre un secret. Non, elle a fait ça, non? Je suis sûre qu'il y a un secret là-dedans. J'ai le droit. Hein. Je suis sûre qu'il y a un secret. Parce qu'il y a une bande de papier, là. J'ai le droit de regarder, hein, ça se trouve, il y a un secret. Ah non, il n'y a pas de secret, c'est comme ça. Je trouvais que c'était une trop bonne idée. Non, mais je trouvais que c'était une bonne idée. Mais je pense que là, c'est pas un secret, c'est j'ai tout flingué. Non, j'ai pas flingué. Là, je regarde si ça écrit bien. Vous savez, hein, des stylos bics, on retire le truc là et puis on insère un petit mot comme ça à l'intérieur, un secret, un mot secret. Et puis comme ça, voilà, on écrit avec un mot secret. J'ai un doute hein, quand même. Si elle entourait le bic d'un papier, d'un joli papier déco. Bon, j'ai un doute qu'il y a... Regardez comme c'est beau ce qu'elle a fait. C'est trop beau.
Un petit, pour mettre un petit carnet. Et quand le carnet, il me semble que j'avais fait un tuto il y a longtemps de ça, il y a longtemps. Hein. C'est un basique, ça, comme tuto. Et il est très très beau celui-ci. Je sais pas où t'as pris le tuto. Hein. Et puis comme ça, quand le carnet est fini, que j'ai fini d'écrire des choses très intéressantes, n'est-ce pas? Eh bien, je remets le carnet comme ceci. Hein. Regardez. Il est très très beau, il est magnifique. C'est la patouille qu'elle a fait là avec sa pâte de texture là, et puis les lettres et tout ça, les couleurs et tout ça, c'est trop trop joli. Elle a inséré de la dentelle, elle a mis le petit mot note avec des petits embellissements cartonnés là comme ça, et puis mes sentiments, le papillon, le cœur, la marguerite, les jolis joyaux là noirs là, c'est trop beau, hein. C'est trop beau, trop beau, trop beau, hein. Il est sublime, sublime, sublime. Je te remercie du fond du cœur, du fond du cœur, du fond du cœur. Je vais mettre ça en partage sous cette vidéo, d'accord, hein? Ça, c'est sûr. Je te remercie du fond du cœur. Donc, on attend le 1er septembre pour ouvrir ton agenda, hein? Alors, je regarde juste. On va ouvrir le dernier courrier. Oui, ça va aller. Ça va aller, après je vais aller dîner. Hein. Si, ben, il est tard. Si, on dirait pas comme ça, mais il est tartare. Et c'est l'heure du tartare. C'est très bon le tartare. Alors, et après comme ça, je pourrais manger mes chocolats et ma petite tisane. Je t'ai fait le droit. Et alors là, donc, c'est Delphine. Hein. Alors, Delphine, Delphine. Alors, attendez, que je fasse pas de bêtises. C'est super. Ah, puis j'ai un autre colis là encore. Oh non, ben non, je pourrais pas tout ouvrir. Ah non, c'est le délire. Non, je peux pas tout ouvrir. Hein. Ben non. Non, je peux pas. Non, je ne peux pas, je ne sais pas, mais je reste plantée là. C'est quoi tout ça? Oh, qu'est-ce que c'est que ça? C'est quoi? Oh, mais c'est une folle hein, encore. Hein. C'est joli ces papiers. Je regarde. C'est trop joli ces papiers là. Hein. Oh là là. Alors attends, je vais lire, il y a des mots. Oh, ils sont beaux tes papiers. Oh, wow. Oh, je viens d'en parler tout à l'heure des couleurs. Si? Ouais, elles sont belles tes couleurs. C'est des bases de cartes. Mais t'es un amour. Hein. Oh, c'est trop gentil. Regardez les jolies couleurs. Wow, c'est trop beau. C'est trop bien. Attends, je vais dire mon petit mot. Hein. Oh, c'est trop gentil. Elle a essayé de m'avancer pour me faire des bases de cartes. Mais c'est un amour. Oh, c'est trop joli. Mais t'es toute mignonne. Mais t'inquiète pas, c'est pas grave. Hein. J'adore. C'est le T2L29, hein, pour les intimes. C'est ça. Alors, elle a envoyé du partage à mamie, je crois. Enfin, j'ai cru lire ça. Elle m'a fait des bases pour m'avancer. C'est un amour. Tu es un amour, un amour, un amour. Oui, ça m'avance, oui, ça m'avance. Parce que, bien sûr, ça m'avance. Des petits stickers. Hein. Des petits stickers et des petits... Mais c'est bien ça aussi pour partager aussi. Tu sais que ça, je peux le scanner. Regardez, c'est des toutes petites bulles. Hein, c'est super ça. Je vais les mettre pour les scanner. Ça, c'est des petits stickers. Regardez comme ils sont tout mignons. Ils sont tout adorables. Hein. Et alors, et alors, et alors... C'est trop bien. Trop, trop bien. Plein de bases. Tu es un chou, chou, chou. Ça me fait trop, trop plaisir. Je te remercie du fond du cœur. Regarde-moi ça, toutes ces belles couleurs. Je vais faire des magnifiques cartes. Hein. Oh là 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 là. Et donc, je te remercie. Je suis super contente. Ça me fait trop plaisir. Donc, je vais mettre aussi ces bulles en partage. Ça peut toujours servir sur des petites cartes, des petites bulles comme ça à détourer. C'est génial. Parce que là, c'est des stickers, mais on peut les imprimer et puis les avoir éternam. Parce qu'une fois que vous les avez dans votre drive, vous les enregistrez hein, dans vos éléments, vous les avez pour toujours. Hein. Voilà, quand vous avez besoin d'une bulle ou que vous pouvez imprimer, c'est ça qui est bien. Hein. Et donc, je vais ouvrir encore un dernier colis. Hein. Je vais ouvrir encore un dernier colis. Hein. C'est pareil, je ne m'y attendais pas. Donc, du coup, et ça, c'est Isabelle. Isabelle a les yeux bleus. Et donc, elle a décoré son carton avec des cœurs, des papillons. Vous voyez bien, c'était tout mignon. Je ne sais que dire. Je suis. Vous savez, enfin, je vous l'ai déjà dit. Je vous l'ai déjà dit. Je sais que je vous l'ai déjà dit que je radote comme une pauvre vieille. Hein. Si, je radote comme une pauvre vieille. Mais à chaque fois que j'ouvre vos colis et tout ça, ça me.
Comment vous dire? Ça me remplit de bonheur, bien sûr, et ça me remplit de bonheur pour moi, pour partager avec vous, voilà, enfin, tous ces émotions, ce bonheur, ces partages, ces créations, Et alors, ça me, ah, je pense que je vais bien dormir ce soir, vous voyez, je suis, ça me tue, hein. Vous me tuez à petit feu, vous savez ça. C'est ça. Mais si, je vais mourir, hein. Je vais mourir, hein. Je vais mourir. Et c'est quoi ça? Oh, j'ai peur, j'ai peur. Oh, qu'est-ce que c'est? Oh, qu'est-ce que c'est encore? J'ai peur, mais j'ai peur de. Oh, c'était trop marrant! Oh, c'était tout mignon! C'est la dernière licorne, ça! Ah, si, c'est pour la dernière licorne! Hein. Oh, c'était trop bien! Donc, ça, c'est super parce que ça va me servir aussi pour faire mes cartons. Je récupère vos trucs pour faire les cartons, si. Je ne sais pas par où sortir, par où commencer. La dernière licorne, si, regardez, les fossiles de. Oh, c'est une trop bonne idée! T'as acheté ça dans le rayon beauté chez Action, non? Des fossiles. C'est une trop bonne idée, j'adore! J'adore l'idée. J'adore. Oh, c'est trop bonne idée, trop bonne idée. Trop, trop bonne idée. Je suis très, très fan de ta licorne. Hein. Très, très fan. Hein. Et je suis très fan et je pense que. Ah, super, elle est à San Francisco. San Francisco, sans brume. San Francisco, sans brume. San Francisco, où êtes-vous? T'as dû aller voir du coup Alcatraz, non? T'as été visiter Alcatraz? T'as passé le pont. Je suis en train de chercher. C'est grave, docteur. C'est grave, docteur. Le pont. Ouais, bah, je te le dirai demain. Oui. Je ne connais que ce pont. Tout le monde connaît que ce pont. Hein, le pont de San Francisco, il est connu dans le monde entier et tout le monde le connaît. Hein. Donc, tu as dû passer le pont et puis tu as vu Alcatraz. Qu'est-ce que tu as fait à San Francisco? Tu as mangé des hamburgers. Oh, c'est trop bien. C'est trop, trop mignon, trop gentil. Ça, Alors, elle a ramené ça de San Francisco. Hein. Bah, d'ailleurs, c'est écrit en Crafters, quoi. Il est trop beau. C'est du. Hop là, je retire l'emballage. C'est de la toile de jute avec des marguerites, comme de par hasard. Hein. Regardez-moi ça, si c'est pas joli, ça, pour faire une page 2. Regardez-moi ça. C'est trop beau. Il est trop magnifique. J'ai le hoquet. Si, j'ai le hoquet. C'est des émotions, ça. Si, c'est l'émotion. Pense, hein. Je sais pas pourquoi j'aurais le hockey comme ça d'un seul coup. Hein. Non, je ne sais pas. Hein. Là, je vous dis, je vais y rester. Hein. Je vais y rester. Trop magnifique, trop magnifique. Hein. Et alors, qu'est-ce qu'elle m'a mis? J'ai peur. Oh non, non. Oh non. Elle a fait une petite boîte, a priori. Alors, je cherche pas trop. C'est pour remettre dedans quand je. Ah si, je vais être obligée. Oh, c'est joli. Alors, une belle boîte. Elle a dû faire une belle boîte elle-même. Oh, mais t'es folle! Oh, c'est trop joli! Je regarde comment elle a fait. Oh, c'est joli ce qu'elle a fait! Oh, regardez comme c'est beau! C'est trop beau! Elle a emprisonné dans une. Elle a fait une. C'est un coffre, hein? Enfin, c'est un joli coffre. Et elle a fait un. Vous avez compris? Si vous dites que vous avez compris, ça me fera plaisir! Hein? Elle a fait un. Une jolie boîte avec des roses comme ça, c'est trop beau, hein. Voici des roses blanches pour toi, jolie maman. Je suis en train de massacrer la chanson, hein. Merci, des petits sentiments, merci. C'était tout mignon, hein. Oh, la belle bouteille de parfum, c'est trop super. Je l'ai jamais fait ce tuto. Non, je l'ai jamais fait. Regardez comme elle est belle, sa bouteille de parfum. C'est trop beau, hein. Elle est trop belle, ta bouteille de parfum. Je n'ai jamais fait ce tuto. Non, je ne l'ai jamais fait parce que il y en a plein qui le font très très bien. Et du coup, voilà. Mais je pourrais pour Noël. Hein, je pourrais le faire tout ça quand même. Parce que je ne l'ai jamais fait. Je peux le faire. Hein, aussi, on a le droit. Oh, t'étais tout mignon. Oh, regardez la petite découpe. T'étais trop charmant. C'est quoi tout ça? Mais t'es folle. Hein. Oh, c'est des seaux.
Pas des seaux d'eau, hein, des seaux de. Alors, attendez, je regarde. Alors, si j'arrive un jour. Un jour, j'y arriverai. Oh, elle est trop mignonne, ta petite. Je mettrai dans mon. Ah, c'est des seaux sur le. Des rouages. Hein, des pendules. Il y a quoi? Un arbre de vie. Oh, c'est rigolo, ça. C'est ce que j'ai fait en carte tout à l'heure, ça. C'est drôle, quand même. Hein. Vous trouvez pas ça drôle? Hein? Parce que c'est quand même. Non, mais regardez, hein, regardez. C'est exactement ce que j'ai fait tout à l'heure. C'est quand même incroyable, hein? Si, c'est incroyable. D'ailleurs, je vais le mettre avec cette carte. Celui qui recevra cette carte aura aussi, parce que je trouve, aura ça et avec ça du courrier de tout à l'heure, parce que en fait, je trouve ça tellement étrange, tous ces. Je trouve ça étrange, tous ces signes à chaque fois. Et alors, c'est incroyable. Si, c'est incroyable, c'est incroyable. J'ai le droit de trouver ça incroyable, hein. La personne, elle aura tout ça. Ouais, je trouve ça incroyable. Voilà. Je trouve ça vraiment incroyable. Vous avez compris, quoi. Ouais, je sais, ça paraît bizarre, mais c'est comme ça. Bon, alors, et ça, c'est des arbres de vie. Alors, bien sûr, ça, je vais les garder pour moi. Ben, si, je les garde pour moi, j'ai le droit, hein. Ce que ça représente, voilà. Ça me fait penser à mon papa à chaque fois. Et ça, c'est quoi? C'est un bateau? Non, je sais pas. J'arrive pas à voir. Non, je suis nulle, hein. Si, c'est un bateau, ça, non? Je sais pas. Je ne sais pas. C'est quoi? On dirait un voilier, hein? C'est un voilier sur l'eau, non? J'ai du mal à voir, mais je crois que c'est ça, non? Des étoiles, il y a une lune, tout ça. Je sais pas. Je suis nulle, hein. Des montagnes? Non, j'en sais rien. En tout cas, elles sont très très beaux, tes sceaux, hein. Très très joli. Ouais, je trouve ça toujours, 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 toujours étrange, tous ces signes-là de notre groupe, là. Ça vraiment, c'est incroyable, mais vrai. Si, c'est vrai. Enfin, c'est vrai. Enfin, c'est vrai que c'est incroyable. Et là, oh, j'aime bien. C'est tout mignon, les petites. Oh, c'est des petites souris. Oh là là. Elle a mis ça dans une petite boîte avec un couvercle mauve, hein, s'il vous plaît. Et alors, plein de petites. Des bébés. Si, c'est des bébés Bratz. J'ai le droit, hein. Hop là, c'est bien ça hein, aussi pour faire des petites créations toutes mignonnes. Elle est belle ta bouteille de parfum, elle est magnifique. Hein, trop belle, je la mettrai en exposition. Alors, oh, tout ce qu'il y a. Ah, oh, moi aussi j'ai le droit. Je vais les mettre. Hein. Ah si, je vais les mettre. Hein. J'ai le droit. Hein. Je vais les mettre. Je les mettrai demain. J'ai le droit de me faire belle. Hein. Attention. Hein. Non, je ne vais pas les mettre ce soir parce qu'il est trop tard. Il faut que j'aille faire à manger à mon bébé, tout ça. Hein. Mais je vais les mettre demain, je vais les mettre là en évidence. Hein. La prochaine vidéo, vous me verrez avec maquillée avec des fossiles. J'ai tout à fait le droit de mettre des fossiles. Hein. Non, je ferai une carte. Moi aussi, j'ai le droit de faire une carte comme ça. Hein. Une carte licorne. Et alors, oh là, tout ce qu'il y a, c'est une folle. Hein. Plein de jolis petits nœuds avec des ficelles. Regardez comme ils sont jolis. Très, très jolis. Hein. Oh, je pourrais faire des petites cartes de Noël avec les petits nœuds là. Vous allez voir. Oh oui, des cartes de Noël, ça ira bien avec. Oh, regardez. J'aime bien le thème rose, moi. Il est rose, mon sapin. Cette année, il sera rose encore. Hein, moi aussi. Je ne sais pas si je vais faire un sapin cette année, parce que vous savez, hein, maintenant, cette fois-ci, hein, hein, ça va être compliqué. Mais bon, on verra. Hein, on verra. Alors, ça, c'est des jolies fleurs. Hein, des jolis papillons qu'elle m'a. C'est trop beau. Hein, trop, trop beau, tes découpes de papillons. Elles sont sublimes. Oh, ils sont sublimes. Hein, je les patouillerai. Je les pchitrerai. Avec des. Je ferai avec des pigments, des poudres. Vous mettez des poudres comme ça. Vous savez hein, que vous avez une jolie découpe comme ça de papillons. Par exemple, ça va bien avec les papillons de faire ça. Vous mettez des poudres, des pigments là, hein, de ci, de là, pouf, pouf. Hein, et puis vous vaporisez de l'eau. Et puis ça y est, comme ça vous éclate des couleurs un peu partout. Ça fait joli, joli, joli. Hein. Ça fait super beau. Moi, j'aime bien faire ça. Et alors, ça, c'est très beau. Hein, tes feuillages, ils sont magnifiques. Et tes petits nœuds, je trouve ça trop mignon ce que tu m'as fait. Ils sont trop beaux. Trop beaux, trop beaux. Hein. Je ferai une carte de Noël avec ça. Je vais faire une carte de Noël avec ça. Et alors, qu'est-ce qu'il y a encore là-dedans? Je sais pas. Je suis tendue. Qu'est-ce que c'est? Ah, c'est rigolo! Mais c'est trop bien! Oh, c'était tout mignon. C'est des petits aimants. Je mettrai sur mon frigo, hein. J'ai le droit, hein. J'ai le droit. C'est des petits aimants, des smileys. Oh, c'était trop mignon. Je mettrai sur mon frigo. Mais j'ai le droit de mettre ça sur mon frigo si j'ai envie, hein. Trop, trop adorable. Elle est marrante. Utilisez-moi qui vous ressemble. C'est trop charmant. Ça me fait trop plaisir. Hop là!
Mais vous êtes folle, hein, là, là, mais vous êtes folle, mais vous êtes folle. Hein. Alors tout ça, je range, tout ça, je range, tout ça, je range. Très, très heureuse. Hein. Et donc tout ça, je range. Je te remercie du fond du cœur. Hein. Oh, je suis trop pourri. Non, mais je suis trop pourri gâtée. Moi, j'ai peur de devenir. Qui est de devenir n'importe quoi. Hein. Trop, trop joli. J'ai essayé dans. Non, mais c'est trop joli sa petite boîte. Hein. Ça, c'est fait elle-même. Hein. Tout ça, c'est fait elle-même. Hein. C'est trop adorable. Vous avez compris? Moi, je mets des fossiles demain. J'ai le droit, hein, je me ferai belle. Hein, si? Bon, ça suffit pour aujourd'hui. Hein, oh là là. Je fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous. Et donc, demain, je ne sais pas ce que je vais faire encore. Hein. J'espère que j'aurai le temps. Et si ce n'est pas demain, ce sera après-demain. Ne vous inquiétez pas. Si vous ne me voyez pas demain, exceptionnellement, hein, c'est parce que faut quand même que je fasse des cartons, des trucs. J'essaie de trouver du temps, mais je n'ai pas de temps, non pas de temps. Alors, puis tout le temps que j'ai envie d'être avec vous, quoi. C'est ça le problème, quoi. Je vous fais plein de gros bisous, prenez soin de vous et on se retrouve très bientôt. Ciao!